Sortis tout droit de Shibugamo, les Chiffonniers Butants vous proposent un style de musique évocateur. Formé depuis peu, le groupe montre son énergie et son originalité dans cette composition inédite intitulée « Errance imaginaire ». Mesdames, messieurs, du Centre d'études collégiales à Shibugamo, les Chiffonniers Butants, Kevin Gauthier, Simon Lindsay, Alexandre Maher et Benjamin Saint-Pierre. J'ai toujours l'impression de chercher une vérité absolue, une solution face à toutes ces questions perdues. Une façon logique, comme une perception magique qu'on applique et tout devient fantastique. Ce fantasme est loin d'être véridique, car la vie est davantage acrobatique. Et plus je la côtoie, plus je vois son aspect maléfique. Cette corruption archaïque est enracinée dans le public. Et l'inaccessible escalade de la politique me semble trop longue, trop pathétique. La rythmique de l'attaque est catastrophique. À quand activons-nous le bouton de panique? Car la main de la vie me transperce l'intérieur de mon chest. Ce trouble somatoforme se transforme sous d'innombrables formes. Inobservable, impalpable, le plus profond de mon mind témoigne des puissants batailles qui dévastent mes entrailles. Ce désastre me place face à une situation pour laquelle je suis faussement de taille. Le ciel noircit, s'alourdit, s'épaissit, et c'est sous nos têtes qu'il s'accroupit. Creusez vos tombes, c'est vers que le sol se fera l'évacuation. Mais l'évaporation, nos ambitions, des fausses notions. L'adoption des ambitions est la première obligation pour pas sombrer dans la dépression. Perdre la raison, peu importe les opinions, elles t'aideront au travers des saisons. Cessons de faire les cons et nous voiler la face. Décrassons nous de la grâce qui nous casse, nous embarrasse. Terrassons toutes ces saletés de langue sale avant que leur salive nous avale. Insurmontable d'une rafale de lave qui dévale sur mon impénétrable psychique mentale. Chantons vandale, l'idéaliste, qu'on standardise l'emprise qui nous maîtrise. Et cette maîtrise est la source de cette crise de crise. Par conséquent, je m'aère dans mon imaginaire, là. Personne erre. Merci beaucoup.